Ce n'est pas nécessairement ça, ce que nous explique le livre biblique, ce n'est pas nécessairement ça. David était plutôt petit, malgré tout il a réussi à rayer du monde avec une fronde Goliath, un géant plein de vie. Jonas avait fait sa maison dans une baleine, dit-on, et vivait tranquille, loin des gens hostiles, dans le ventre de ce poisson. Moïse voguait sans façon dans un panier tressé de joncs. L'enfant seul au monde fut sauvé de l'onde par la fille du pharaon. Ce n'est pas nécessairement ça, non, ce n'est pas nécessairement ça. Bien que dans la Bible le diable est horrible, ce n'est pas nécessairement ça. Les saintes écritures prêchent une âme pure pour voir le septième ciel. Je suis l'évangile, mais dans mes idylles j'ajoute un peu de sel. Mathusalem vécut longtemps, il vit fleurir 900 printemps, mais ce n'est pas vivre, car nulle femme ne livre sa vie aux hommes de 900 ans. Ce sermon démontre, je crois, ce n'est pas nécessairement, pas nécessairement, pas nécessairement ça.